Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie Dépêche. Je vous retrouve aujourd'hui avec deux autres boîtes de cartes. Quand j'avais déballé les autres, j'avais vu que sur un des sachets, il était indiqué le chiffre 4. Ils mettent toujours sur la sachet la référence du diamant, c'est-à-dire le sigle auquel il correspond sur la carte ou sur la toile. Et ensuite, ils mettent un autre chiffre qui correspond au numéro de la toile dans la série. Une toile ou kit. Donc il y en a un qui était intitulé 4, donc je me suis dit qu'il devait y avoir d'autres boîtes de cartes. Donc je suis retournée dans mon action, mais il n'y en avait pas. Du coup, je suis allée dans une autre action et j'ai eu la chance de trouver ces deux kits de cartes. Alors celui-ci, je l'avais déjà aperçu sur Facebook. Celui-ci, par contre, je ne le connaissais pas du tout. Donc bah, je vous propose qu'on regarde ensemble ce qu'il y a à l'intérieur de ces kits. Je ne les ai pas ouverts, j'ai juste coupé le scotch pour que ce soit plus pratique, mais je n'ai pas été plus loin. Alors, on ne va pas regarder ce qu'il y a au dos, on va regarder directement ce qu'il y a dans la boîte. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je trouve les emballages, la qualité de l'emballage, très sympa. Si vous voulez faire un petit cadeau, c'est hyper sympa. Pour juste les faire comme ça, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'emballage, mais en petit cadeau, c'est hyper cool. Alors, au niveau des cartes, nous avons en premier un flamant rose. Ah, la carte est très sympa. Toujours vierge à l'intérieur et le dos est vert. Très joli petit flamant rose, très à la mode. Je pense qu'il va vraiment vraiment bien donner. Le perroquet, très joli perroquet. Très sympa. Le dos de la carte est rouge. Toujours blanc à l'intérieur. Très très joli. Oh le lion. Ah c'est sympa. Je me demande ce que ça va donner. Ça a l'air très très joli. Le dos de la carte est orange, toujours rien à l'intérieur. La qualité de carton est plutôt pas mal, hein. Honnêtement, on est sur une carte telle que vous pouvez les acheter, donc c'est plutôt chouette. J'aimerais bien que ça refasse la netteté. Allez, l'appareil photo, on refait la netteté. Voilà. Et un petit toucan, très mignon, très très sympa ce petit toucan. C'est rigolo, on dirait qu'il a des petits pois avec le sigle O. Et au dos, on est sur quelque chose de vert. Ces cartes sont vraiment très mignonnes. Hein. Elles sont très bah, passe-partout. Vous pouvez les envoyer en toute occasion. Donc c'est vraiment chouette. J'aime bien les cartes où il n'y a pas précisé quelque chose sur le dessus. C'est plus facile à glisser et à envoyer. Alors nous avons toujours la fiche de route. Donc pour ces cartes, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 couleurs. Ah oui, quand même. Alors, je pense que nous avons des couleurs qui ne vont pas forcément être sur plusieurs toiles. Genre, celles-ci, visiblement, ne sont pas présentes sur les autres. Le perroquet et le toucan ont des couleurs qui se retrouvent. Et le lion n'a pas l'air d'avoir des couleurs que l'on retrouve ailleurs. Ok. C'est pour ça qu'il y a autant de couleurs. Ils n'ont pas forcément cherché à faire que des animaux sur la même couleur. Donc, nous avons bah, la petite fiche avec les modèles, hein, toujours chez Action. Les quatre enveloppes, le toolkit et les diamants. Alors par contre, c'est bien, il n'y a pas forcément beaucoup de diamants dans les sachets, en même temps 18 couleurs. Et vous voyez, là, c'est le kit numéro 3. Eh bien, c'est très chouette. Je pense qu'elles vont être vraiment très, très belles. Ah, j'ai hâte de les faire. Et j'ai eu la chance, j'ai pu en trouver deux kits. Alors, je ne sais pas si je ferai les deux, si j'en donnerai un à ma fille. À voir. Et le deuxième kit qui est celui-ci. Pareil. Toujours très bien rangé à l'intérieur. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors là, ça ressemble beaucoup aux roses qu'on a déjà faites. Ensemble. Vraiment très sympa. Le dos de la carte est avec des pois. Toujours vierge à l'intérieur. Un petit rouge-gorge, très mignon le petit rouge-gorge. Un petit bulldog. Il n'y a pas grand-chose à diamanter là sur le petit bulldog. On a le nœud et le nonos. Ça va aller vite, hein. Et le petit cochon qui a également les mêmes couleurs que le chat. Alors sur ce kit-là, franchement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup à diamanter, hein. La carte où il y a le plus, je crois que c'est celle-ci. Et encore.
Ah non, il n'y a pas beaucoup à diamanter sur ce kit-là. Hein. Mais les cartes sont très mignonnes. Au dos, du coup, on va les regarder comme ça. C'est sympa comme tout. Dès que je mette bien les plastiques comme il faut. Très, très, sont très mignonnes ces cartes. Alors, j'avoue qu'il n'y avait qu'un seul kit. Hein. J'ai pas eu le choix de me poser la question si j'en voulais un ou deux. Il y en avait qu'un. Et là, nous avons une, deux, trois, quatre, cinq, sept, huit, neuf couleurs. Beaucoup moins. Alors, est-ce qu'elles vont être un peu plus... Donc là, ces deux-là utilisent les mêmes couleurs que l'on ne retrouve pas ici. Là, on va avoir le dé en commun sur les deux cartes. Et puis, c'est tout. Ok. Ok, ok. En termes de diamants, alors là, vous voyez, c'est le kit numéro 2. Et bien, en termes de diamants, il n'y a pas énormément de diamants. C'est bien. Il ne devrait pas nous en rester de trop à la fin. Très chouette. Ah, elles sont mignonnes toutes ces cartes. Et le fait qu'elles ne soient pas thématiques fait qu'on peut s'en servir à peu près tout le temps. Je pense que dans toutes les cartes là qu'on a pris, je pense que ma fille s'en servira de certaines pour faire ses invitations d'anniversaire. Il suffit de choisir la jolie carte qu'elle veut pour envoyer à la copine, c'est parfait. Non, elles sont très très jolies. Franchement, les deux petits kits là, Action. Les petits kits de cartes là Action sont vraiment sympas, valent vraiment le coup. Je les ai payés 1,84€, il me semble. C'est même pas le prix d'une carte décorée qu'on peut acheter dans le commerce. Donc ça vaut vraiment le coup et elles sont très agréables à faire. J'espère que celles-ci seront aussi agréables que les précédentes. Mais en tout cas, c'est très très joli. Je suis très contente de les avoir trouvées. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez pu les trouver dans votre Action ou si elles ne sont malheureusement pas encore disponibles ou plus disponibles. La première fois que j'y étais, la semaine dernière, elles étaient au niveau des cartes, où ils vendent toutes leurs cartes. Et là, elles avaient été déplacées au rayon loisirs créatifs, elles étaient au plein milieu. Donc n'hésitez pas à chercher dans tout ce rayon-là, parce que j'ai l'impression qu'au niveau du rangement, c'est un petit peu aléatoire. Donc n'hésitez pas à chercher, puis n'hésitez pas à me dire si vous les avez trouvées, si vous les avez aussi réalisées, parce que franchement moi je les trouve super mignonnes. J'espère qu'ils nous feront ce genre d'article régulièrement, parce que c'est super sympa à faire et en plus c'est utile. Même là, pour s'en servir pour les cartes de bonne année, ça peut être super sympa. Voilà, et bien je vais vous laisser là pour cette vidéo, pas besoin non plus d'épiloguer pendant 3 heures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo. Ça me donne toujours un coup de pouce et je vous retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao !